vous parler de mes séries jeunesse coup de cœur. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une excellente série d'espionnage, la série Cherub. Celle-ci comporte 12 tomes avec les personnages principaux et 5 de plus avec de nouveaux héros. Le premier tome s'intitule 100 jours en enfer et le dernier, celui qui vient tout juste d'être publié, Commando Adams. Elle a été écrite par l'auteur anglais Robert Muchamore. En résumé, on y suit l'histoire de James Choke, un adolescent délinquant qui se fait envoyer dans un orphelinat à la mort de sa mère. C'est à ce moment qu'il se fait recruter par Cherub, un département ultra secret du MI5 composé d'agents de 10 à 17 ans. Des professionnels experts dans toutes les techniques d'infiltration et de renseignement, mais des enfants, donc des espions insoupçonnables. Dans les 12 premiers tomes, on suit les missions de James Choke, alias James Adams. Mais dans les 5 derniers, Adams était rendu trop vieux, on suit les missions de nouveaux agents Cherub. Pour raison d'état, ces agents n'existent pas. J'ai adoré ces livres car ils nous permettent de plonger dans le monde de l'espionnage tout en nous identifiant aux personnages puisqu'ils sont des adolescents. Ces livres sont remplis d'action et chaque mission est différente de la précédente. Je le recommande aux gars car ils vont souvent être plus attirés par l'espionnage et les explosions, mais certaines filles vont assurément apprécier. Malgré que ça semble être une grande série, chaque livre se lit très bien et ils sont très addictifs. De plus, pour ceux qui tombent en amour avec la série, l'auteur en a publié une autre qui explique la création de Cherub durant la Deuxième Guerre mondiale, les Anderson's Boys. Bonne lecture et à la prochaine!